tell me what you wanna see. I lay the law. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay the law. Do you wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city scene. I lay the law. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay the law. Bonjour à tous, nous sommes le 2 septembre 2026, le mercato d'été vient de se terminer. Un mercato qui aura été quand même agité, mais pas trop. Enfin, on est toujours sur nos bases solides et puis on amène quelques assets intéressants par-ci par-là. Très jeunes, de très jeunes assets. Alors ça coûte moins cher, mais ça peut aussi coûter des résultats à la fin, donc on verra ce que ça donne. On a vendu pour 5 75 000 et on a acheté pour 11 75 000. On avait quand même un joli budget et il nous reste encore un joli budget à la fin. Donc on n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre au final. Donc au rayon des départs, donc un jeune qui s'appelait Jérôme David, dont on n'avait aucune intention de conserver à la fin. Léon Eliasson qui... ben, s'avérait avoir un potentiel assez limité pour la suite des événements. Donc on l'a laissé partir lui aussi. Moïse Zone, on a réussi à le vendre pour 1 million. Alors peut-être qu'on aurait pu le vendre un peu plus cher ou qu'on aurait pu encore le prêter, je sais pas. Mais voilà, j'avais besoin de l'argent aussi. Je voulais vraiment avoir de quoi... de quoi acheter des joueurs, et j'avais besoin de revendre quelques jeunes là dont je ne comptais pas sur les années à venir, et Moïse Zone y rentrait dans ce cadre là et donc on a réussi à le vendre. Aaron Camardin qui a fait une belle saison en Ligue 2 la saison dernière, qu'on a réussi à vendre 1,1 million, donc ça on est assez content dans l'ensemble. Ça a été vraiment une plus-value énorme au final, ce joueur là passé de 56K à 1,1 million, donc très très bien. Bonne affaire. Moïse Zone, je crois aussi que c'est une bonne affaire hein, au final. On l'a eu libre et on le revend 1 million, donc pas plus de pression que ça. Il végétait un petit peu en Ligue 2, donc autant le vendre. Mbaye Ndiaye, on a dû batailler longtemps pour réussir à le vendre.
Et au final, bah, sur un achat de 100K, on réussit à le vendre 1,2 million, donc on n'est pas mécontent. On aurait aimé le vendre un peu plus parce qu'il avait quand même une valeur de 2,5 millions. Mais bon, enfin, c'est compliqué de vendre dans ce FM, donc voilà, on n'a pas eu plus de pression que ça. Louane Gabriel aussi, qui était notre petite pépite de Ligue 2 là, qui est arrivé un petit peu sur un niveau où il était vraiment trop faiblard chez nous, quoi. C'est encore un très bon joueur, un bon joueur de Ligue 1, je dirais, un joueur de bas de tableau de Ligue 1. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc il est intéressant à ce niveau-là, mais autrement, plus haut, je pense qu'on aspirait à meilleur. Alors, il est dans l'année où il peut devenir citoyen français aussi. Donc c'est sur ce côté-là, c'est un peu dommage de l'avoir vendu, parce que je pense que ça aurait pu augmenter sa valeur. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais je crois que ça peut augmenter leur valeur. Bon, mais c'est pas grave, on a réussi à le vendre 2,3 millions, moins que ce que qu'elle est, enfin que sa valeur à la base, qui était de 4 millions quand même. Mais bon, enfin, faut pas être trop gourmand non plus. On a vraiment eu du mal à le vendre. Donc, quand la somme qui nous intéressait est arrivée sur la table, bah, on n'a pas réfléchi très longtemps. Voilà, une somme dans laquelle on pouvait commencer à entrevoir la suite. On a envoyé pas mal de jeunes en prêt. Crisanto Lombard, là, qui est un Africain qui peut avoir un certain potentiel intéressant, à 19 ans. Mohamed Ndiaye, qui est un jeune du club qui a un potentiel qui commence à se limiter, mais qui est en train d'acquérir un petit peu de valeur là, donc ça peut être bien. Il joue en Ligue 2 après avoir joué longtemps en National, donc s'il peut se montrer en Ligue 2 et puis ben, intéresser d'autres clubs sur l'année prochaine, ben, ça augmentera forcément sa valeur. Ismaël Gueye, prêté à la JO Auxerre, donc on espère que ça va le faire bien progresser pour pouvoir le prêter à des clubs intéressants par la suite. Manu Achouri, c'est un joueur, on en a parlé, hein, techniquement vraiment extrêmement faible, par contre autrement c'est un monstre sur les autres qualités. Mais je pense qu'il dépassera jamais le niveau national ce jour-là, malheureusement. Donc on l'a prêté, je pense qu'on va le laisser partir à la fin de saison sans même chercher à le vendre. Kevin, qui n'était plus en odeur de sainteté au niveau du club, c'est un hors-UE déjà et on avait besoin de libérer de la place à ce niveau-là. Il avait plus sa place chez nous, donc on l'envoie en prêt. Alors le prêt stipule qu'il peut être en rotation, donc j'espère qu'il aura quand même un temps de jeu de titulaire. Mais c'est pas gagné. Il est prêté à Dijon néanmoins, qui lui permettra de progresser encore un peu. Il a déjà deux apparitions en Ligue 2, donc ça va. C'est pas non plus dégueulasse pour le moment. Christian Balanos, qui est un nouvel achat qu'on a envoyé en prêt. On en reparlera un petit peu après. Tony Rack, qui est un défenseur. On a beaucoup de défenseurs envoyés en prêt. On est dans la recherche de trouver des défenseurs qui vont pouvoir nous amener des années solides par la suite. Et c'est pas évident. Donc il y a à la fois beaucoup de profils et il y a très peu de profils intéressants. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps un petit peu sur le niveau un petit peu moyen. Donc l'idée c'est d'essayer d'en recruter quand même pas mal, de les envoyer en prêt, de voir si ça progresse bien. Et si ça progresse bien, bah, peut-être qu'ils pourront intégrer chez nous quoi à l'avenir. Ulrich Freund, par exemple, lui, on voit qu'il progresse bien. Il a déjà bien progressé la saison dernière. Pardon, la saison dernière. Donc ça pourrait être bien en l'envoyer en Allemagne, dans un club qui, on l'espère, le fera progresser. Rostand Ouona, lui, je pense qu'on ne le conservera pas à la fin de saison. C'est pas forcément un joueur qui nous intéresse pour la suite. Ibrahim Karambiri, voilà, s'il progresse bien, ça peut être intéressant. Il a été envoyé au Chamois Niortais. Issa Dieng a été envoyé à Orléans. C'est un joueur qui peut être intéressant ça, pour l'avenir. Faudrait qu'il progresse par contre. Edzerabiou, envoyé à 3. Paul Hogan, un défenseur encore. Un peu plus intéressant celui-là. Envoyé à Nîmes. Et donc on a fait le tour de tous ces prêts. Donc énormément de joueurs envoyés en prêt. Mais néanmoins, enfin voilà, ça les fait jouer, ça les fait progresser. Et soit on pourra les revendre cher, soit
ils intégreront notre équipe par la suite. Donc du coup, au rayon des arrivées, donc Paul Hogan, on vient d'en parler, un défenseur, lui, il a quand même quelque chose pour peut-être venir chez nous par la suite ce jour-là. Christophe Fer Ekwala, qui est un Camerounais de 20 ans. C'était typiquement l'achat pas très cher, hein. Acheté 220K, donc voilà, on a un petit peu sauté dessus. C'est un joueur qui peut bien progresser, qui peut devenir assez important. Alors, nos préparateurs nous conseillaient de le prêter, mais on n'a pas réussi à trouver trouveur. Donc, il va jouer en National 2 cette année. Enfin, sur cette première partie de saison, on réessayera en janvier de le prêter ce joueur-là. Il faudrait qu'il soit prêté et peut-être qu'il aura des moments où il pourra venir sur l'équipe 1. On va peut-être essayer de. Voilà. Christian Balanos, qui est un petit achat, mais qui est un joueur à énorme potentiel, là, pour le coup. Enfin, énorme. Très gros potentiel, on va dire. 1m97, 17 ans détente, 14 ans de puissance, un gros placement. Alors, son sang-froid est vraiment problématique, mais bon, enfin, sur le reste. Sur des qualités de défenseur central, en fait, ben, il est très bien. Décision aussi, il faut qu'il progresse. Mais il est plutôt très bien. Donc, c'est un joueur qui coûte rien, qui coûte vraiment 115K. Donc, on n'a aucune pression sur ce joueur-là. Soit il réussit, soit il réussit pas. Et puis, on l'a prêté en Espagne, ce qui, au bout de 2 ans, lui amènera la nationalité espagnole, donc c'est très bien, ça peut être une bonne affaire ce jour-là. On compte pas l'avoir chez nous d'ici 2 ans de toute façon, donc on verra, on pourra voir ce qu'il donne. Issa Dieng, donc on en a parlé, joueur intéressant, mais il faut essayer, il faut qu'il progresse. Kyle Tchabalala, pareil, achat intéressant, pas cher, joueur qu'on n'a pas réussi à prêter dans des clubs intéressants, donc il va jouer chez nous en National 2 principalement, et puis de temps en temps il va faire des piges en Ligue 1, au même titre qu'un jeune, quoi. C'est dommage, on l'a eu à 19 ans, donc il pourra pas avoir la nationalité, enfin le statut de formé en France. Donc ça, c'est un petit peu dommage sur ce niveau-là. Mais voilà, ça peut devenir quelque chose d'intéressant d'avoir ce genre de joueur. Un petit achat d'un joueur de 15 ans. Alors c'est un petit achat enfin, qui a quand même un certain coût, 925K, hein, c'est presque 1 million. Mais c'est un joueur à gros potentiel, donc voilà, il faut vraiment qu'on en recrute là pour essayer d'avoir des joueurs qui potentiellement peuvent intégrer l'équipe de Ligue 1 en futur et amener le statut de formé au club, quoi. Voilà, c'est un joueur uniquement d'avenir, pas plus de pression que ça, même si le coût est assez élevé, étant donné que le club progresse d'année en année et que les sommes investies sont de plus en plus fortes. Je me suis dit que c'était pas la mer à boire de mettre cette somme-là, là, pour le coup, sur un joueur de 15 ans qui peut vraiment progresser. Alors, qualité physique, il a vraiment besoin de beaucoup travailler. Mais c'est ce qui se fait beaucoup en U19, donc il devrait progresser, je pense. Et on le fait travailler pour l'instant en Mezzala, mais je le verrais bien à terme devenir plutôt un Regista. Là, en Mezzala, c'est ce qu'on le fait travailler. Alors, il a une note qui est vraiment compliquée là-dessus, c'est ses dribbles. Mais bon, enfin, c'est pas plus que ça. Au pire, dans la tactique, on l'empêchera de dribbler, ce qui serait un peu embêtant. On peut aussi le passer en carrilero, on ne sait jamais. Enfin, c'est un joueur là où on ne sait pas ce qu'il peut devenir, mais il peut devenir intéressant. Et en Regista, voilà, je me disais qu'en Regista, il pourrait peut-être devenir intéressant parce que ça demandera moins de qualité de vitesse et d'accélération. Donc voilà, en tout cas on est assez content de cet achat, alors pas extrêmement content, c'est quand même un coup, mais voilà, c'était une petite opportunité à saisir. Luis Gonzalez, alors ça c'est par contre c'est un gros achat, pas forcément sur la somme, puisqu'on l'a acheté 2,3 millions, vu le niveau du joueur, c'est vraiment un très très bon joueur, un Péruvien de 19 ans, qui est soit déjà à son potentiel maximum, mais qui peut encore vraiment devenir un joueur
encore au-dessus. Et vu ses caractéristiques, je pense qu'il va aller au-dessus. Il suffit qu'il atteigne des 14 un peu partout et il devient déjà un joueur très dominant en Ligue 1 selon moi. Il a déjà joué, il a déjà marqué un but. C'est vraiment un très très bel achat ce joueur-là, a priori. On espère qu'il va vraiment réussir chez nous et devenir un joueur ben voilà, amener la suite des opérations du Mans, quoi. L'amener vraiment vers les sommets là, pour le coup. Ouais, c'est le type de joueur qui peut amener vers ça. Javier Dominguez, acheté en tout dernier instant du mercato. Joueur acheté 2 millions 7. À la base, c'était pas le joueur qu'on voulait. On voulait un joueur de Reims. Je vais essayer de vous le trouver. Je vais essayer de vous trouver ce joueur-là à Reims. Alors, ils sont même pas en Ligue 1. Si, Reims, ils sont en Ligue 1. Ils ont à peu près la même réputation que nous. C'était Facundo González, là. Un défenseur d'1m92 avec 19 ans de détente et un gros jeu de tête. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'était le joueur parfait pour nous. À 23 ans. Et une nationalité, enfin, UE. Le problème, c'est que ben, on pouvait l'avoir à une somme de 150K au début. Et on a dû monter jusqu'à 180K avec Reims. Et puis ben, au final, Reims l'a quand même pris. À 180K, déjà, j'étais au-dessus de ce que m'accordaient, si je me trompe pas, mes finances en tant que joueur vedette. Parce que ce serait un joueur vedette chez moi, hein, ça c'était clair. Voilà, on m'a accordé 156K quoi, pour un joueur vedette, et ben, on n'y est pas. Au final, on est en dessous, donc c'est très bien. C'est bon, ça peut être regrettable quand même, parce que le joueur nous faisait passer un vrai cap sur la défense, dans un domaine où on avait un réel besoin. Mais bon, voilà, ça. Il faut pas enfin, se fermer là-dessus. C'est un joueur qui va être intéressant, qui a un potentiel à aller chercher et qui sera titulaire chez nous de toute façon. Je pense qu'il va être très bon. Il a des qualités à 13 voire 14 partout, à part en sang-froid. Alors c'est un peu gênant le sang-froid forcément. Ça va forcément nous coûter des buts, c'est une certitude. Après, il en amènera aussi en attaque avec sa détente verticale et son jeu de tête. Sa taille à 1m95. Là, ces qualités-là, là, ici, de mental, sont vraiment énormes. Donc voilà, c'est un joueur qui ne peut que progresser. Il faut qu'on le pr fasse progresser d'ailleurs, soit sur sa puissance, soit sur sa vitesse. Les qualités autour sont intéressantes. J'aime bien de l'agilité aussi chez les défenseurs parce que ça permet de changer de direction assez rapidement. Donc j'étais assez content d'en trouver un. Il y en a un qui nous plairait vraiment, qu'on ne peut pas se permettre pour le moment. Bah parce qu'on n'a pas l'argent pour eux, qui pourrait être intéressé de venir chez nous, je crois, mais l'argent fait défaut là pour le coup. Par rapport à ce que le club demandait, c'est un petit Brésilien qui est latéral droit là. José Eduardo, voilà, qui fait 2 mètres 2, qui a des qualités physiques démentielles et qui a des très bonnes qualités partout. Donc ça, c'était le joueur priorité des priorités. Malheureusement, il est au Portugal et ils en demandent une somme bah, incroyable. C'est plus de 50 millions, je crois, et ça, on peut pas se permettre, très clairement. Donc pour l'instant, on reste connecté sur ce joueur-là et on verra ce qui se passera par la suite. Si un jour on peut l'avoir, on sautera dessus sans hésiter là pour le coup, parce que c'est un joueur de qualité mondiale à n'en pas douter. En plus, il a que 18 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit joueur du futur qu'on aimerait aller chercher là pour le coup. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Vraiment. Mais bon, enfin voilà, on se prendra pas la tête. Et on va terminer là sur les transferts. Sur un joueur qu'on a été acheté au FC Barcelone. Alors il se trouvait qu'il était sur la liste des transferts. Il était sur son année de fin de contrat. Donc potentiellement on aurait pu attendre la fin de saison. Sauf que c'est Barcelone.
qu'il était mécontent d'être à Barcelone, que c'était la raison pour laquelle il était sur la liste des transferts, et que bah, je sais qu'un joueur comme ça, c'est un joueur de niveau classe au-dessus. Donc on a sorti le billet, on a payé les 5 millions, je crois, 5 millions 25, voilà, de valeur. C'est une somme pour un joueur sur une année de fin de contrat vraiment énorme, mais c'est un joueur qui logiquement nous amènera des garanties sur le poste de latéral droit assez importantes. C'est un joueur latéral offensif complet, donc ce qui ne gâche rien, au contraire, ça va amener encore plus de solidité dans notre jeu de contre-attaque fluide, je pense, j'espère en tout cas. Pour l'instant, il fait des performances un petit peu en dents de scie, donc il va avoir besoin de travailler un petit peu sur sa régularité. Mais voilà, vu les qualités énormes qu'il a, j'ai quand même très bon espoir qu'on en fasse un très gros joueur là, celui-là. En tout cas, très très content de cet achat. C'est notre plus gros achat, mais c'est peut-être le plus intéressant qu'on ait fait sur cette saison, malgré tout. Alors, ça fait quelques achats importants, et donc au niveau de notre tactique, ben, il y a quelques joueurs qui intègrent sans non plus bouleverser l'effectif, quoi. On a notre 11 de départ, donc on a Mokuena qui sera toujours notre gardien titulaire, Canedo qui passera titulaire là cette saison. Il a eu des meilleures notes que Ristoff et Niakate, donc il passera titulaire. Fernandez toujours en latéral offensif gauche. Natchev qui restera notre régista. On a eu des offres pour enfin, deux clubs français comme je crois Marseille qui voulait l'acheter. 11 millions, donc c'est déjà une somme, hein. Ce serait déjà une très belle vente, mais je pense qu'on peut le revendre beaucoup plus cher ce joueur-là à terme. Avec l'Europe là où on devrait augmenter nos valeurs de joueurs, on pourra très probablement le revendre plus cher. C'est quand même un joueur de classe très forte. Dwamena qui passera titulaire, Yundong-i dont on est content parce qu'il a obtenu sa personnalité ambitieuse. Je sais plus si on en avait parlé dans le dernier. Dans la dernière vidéo, il va dans 1 an et demi, il aura aussi sa nationalité française normalement. Donc c'est un joueur, ça suit bien pour lui. Mbombo qui sera toujours titulaire avec Muanta sur les postes d'ailier là. Et Rosa qui devrait être toujours titulaire. Alors peut-être aussi que Dagraca pourrait reprendre une place de titulaire si jamais il se montrait plus intéressant que Rosa. Et notre joueur acheté, la Luis Gonzalez, pourrait aussi passer sur l'aile titulaire à la place d'un de ces deux joueurs sans problème. J'ai entre guillemets trois titulaires pour ce poste-là. Donc ce qui est très bien, je pense, parce que ça permet d'avoir toujours un groupe qui sera performant en Ligue 1 comme en Europe. Là, on va avoir quand même pas mal, une bonne partie de la saison avec 2 matchs par semaine. Donc il fallait absolument doubler les postes et avoir des joueurs de même niveau plus ou moins sur les postes. Donc ça, c'est très bien. Mokwena n'a pas vraiment de remplaçant. On comptera sur Melchior. Néanmoins, le gardien en général, c'est quelque chose qu'on remplace pas beaucoup. Et Melchior a 17 ans, c'est un jeune du club, on va essayer de le faire lui faire acquérir de l'expérience un petit peu. Il faudra bien choisir les matchs pour lui parce qu'il n'a pas le niveau, hein, très clairement, mais bon, ça lui fera du bien. Déjà sur les coupes, on le mettra sur les matchs de Coupe de France. Puis bon, après on verra, genre s'il y a un match de Coupe d'Europe, on arrive à être qualifié par exemple avant la fin, ou si on est disqualifié avant la fin, on pourra le mettre, on pourra se permettre. Sur quelques petits matchs aussi, peut-être de Ligue 1, quand des choses seront jouées, on aura certaines assurances, bah, on pourra aussi le mettre un petit peu. Van der Merch qui sera le remplaçant. J'ai pas parlé, pardon, des titulaires là ici. Donc du coup, ça va être Franval, hein. Je pense que c'était très clair là ici. Franval qui passe titulaire au poste de latéral offensif droit, et donc Dominguez qui passera titulaire
à la place de Ristoff et de Niakate aussi. Donc on aura une défense centrale très jeune. On aura une équipe là très jeune de titulaires là vraiment. Je crois que j'ai pas un joueur qui a 24 ans là dans le lot. Mais voilà, c'est ça fait partie de l'ADN de notre club. Rizzo qui sera sur l'aile gauche, Ristoff donc qui sera remplaçant des deux centraux, Niakate aussi, Bourigeaud qui sera remplaçant de Douamena, Yundong-i mais qui pourra être assez régulièrement titulaire, enfin qui aura une qui sera un peu remplaçant titulaire, Yundong-i qui peut remplacer Natchef. Douamena aussi qui peut remplacer Natchef exceptionnellement ou qui peut être Mezzala, c'est vraiment un joueur complet là pour le coup Douamena. On aura aussi donc Malango qui a bien progressé la saison dernière et qui va sur 19 ans, sur lequel il va falloir compter un peu plus sur les matchs aussi. Il va falloir lui trouver un peu plus de temps de jeu sur les matchs. Alors 26 matchs c'est déjà bien, hein, c'est déjà très très bien. Mais il faut continuer, il faut essayer de, comme on aura plus de matchs, essayer de le faire internant un peu plus aussi. John Pekko, même chose, il faudra essayer de lui ramener plus de matchs. Alors il a très très bien progressé là ce jour-là, là vraiment, là il commence presque à avoir un niveau de Ligue 1 sur ses notes à 17 ans, donc c'est vraiment énorme. Ça va être un joueur vraiment très très fort là pour le coup. Il a fait 3 matchs la saison dernière, il faut qu'on essaye de lui en faire atteindre moins de 10 je pense, parce qu'on ne pourra pas se permettre d'en faire plus, mais peut-être 6, 7, 8 ce serait pas mal là déjà, j'aimerais bien. Si possible. En tout cas, il va falloir le faire jouer, c'est sûr. Rukavina qui sera un remplaçant de luxe, du coup, qui a un niveau très proche de nos titulaires. Il s'est blessé, il revient d'une blessure de très longue là quand même. Blessure de 3 mois, qui était arrivée en fin de saison dernière. Voilà, lui, il va falloir lui laisser le temps de revenir tranquillement. Donc, Luis Gonzalez, on en a parlé. Dagrakur, on en a parlé. Kyle Tchabalala, qui peut jouer et qui devra jouer quand il y aura des blessés là dans nos joueurs. Eren Gurbjurs, on a eu des offres d'achat, on ne souhaite pas le vendre. Des offres à 1 million, je pense qu'il en vaudra plus à terme ce joueur-là. On a essayé de le prêter, mais on n'y est pas parvenu. C'est dommage parce qu'il est en pleine année de 19 ans, là où il va beaucoup progresser. On va le faire jouer en National 2, on va essayer de lui trouver un petit peu de temps de jeu sur des matchs, mais là par contre ça commence à être moins gagné. Donc il va falloir réussir à le prêter en janvier ce joueur-là. Et Samba qui bah, a 17 ans, on l'a mis dans le groupe de pro pour faire changer sa personnalité sans ambition dans l'encadrement. J'espère que ça arrivera vite parce qu'il a du mal à progresser quand même ce joueur-là. Ça se profile pas forcément très bien pour lui. La tactique qui reste un petit peu la même, alors on a changé deux trois petites, enfin un poste qui est le latéral offensif du coup, qui est passé à latéral offensif complet avec Val. Pourquoi je l'ai changé? Parce que je me suis dit que le carrilero en fait peut justement combler les côtés défensivement. Et bah, le carrilero à la base c'était le poste que je souhaitais peut-être changer, j'en avais parlé. J'ai essayé milieu axial défensif, milieu axial soutien. J'ai essayé quoi encore? J'ai essayé un autre poste, mais ça convenait pas. J'ai besoin que le joueur soit là quand on joue. J'ai besoin qu'il soit pas trop la raquette, enfin, vers la surface de réparation quand on est en attaque. Et ben, enfin, soit il restait trop derrière, soit il était trop vite trop devant. Voilà, j'ai préféré le conserver en carrilero. C'est un poste qui fonctionnait bien la saison dernière, donc il n'y a pas vraiment de pression là-dessus. Et du coup, le latéral offensif complet ben, pourra exprimer toutes ses qualités offensives vers l'avant. L'attaquant de pressing, on lui a changé une petite consigne, on lui a mis décrocher plus souvent là. Pourquoi? Parce que ben, oui, on a essayé aussi quelques postes, on a essayé attaquant de retrait, on a essayé l'attaquant avancé, enfin on a essayé plein de postes sur l'attaquant aussi pour voir quels étaient ses placements à la transition.
Le problème de l'attaquant en retrait, c'est que bah, c'est intéressant parce qu'il vient chercher le ballon plus bas. Donc ça amène tout de suite un jeu de passe plus conséquent. Par contre, le problème, c'est qu'il tarde à rentrer dans la raquette, enfin dans la surface de réparation. Et bah, moi, j'ai besoin aussi qu'il puisse amener du danger vers l'avant. Et c'est pas forcément le cas sur une contre-attaque pure, par exemple, une passe qui arrivera en profondeur, j'ai besoin aussi de jouer là-dessus. Et l'attaquant en retrait, il joue vraiment pas beaucoup là-dessus. Et c'est pas le fait d'avoir passé notre poste gauche en ailier intérieur qui va changer les choses là-dessus. Voilà, on a préféré le garder en attaquant de pressing et lui mettre par contre décrocher plus souvent, ce qui lui permet de temps en temps là, de venir chercher le ballon un peu plus bas. Là, ça arrive régulièrement, je le vois, qu'il vienne chercher le ballon un petit peu plus bas et donc il participe un petit peu au jeu collectif aussi de l'équipe dans la montée du ballon. C'est un groupe là, vraiment tout est basé dans de la transition. Dès qu'on récupère le ballon, il faut que les joueurs soient tout de suite placé correctement vers l'avant pour que la balle fuse très vite, si possible, vers l'avant. On a rajouté collectivement une consigne qui est prenez la def de vitesse. Alors pourquoi on l'a rajouté? Parce que c'est très simple, notre groupe a des qualités techniques de dribble qui sont très conséquentes pour la Ligue 1. Donc voilà, on l'a mis cette consigne-là. On a un groupe là qui peut vraiment faire la différence en dribble, donc on en a profité. Sur Dagraka, on a mis là des postes personnalisés parce que sur Dagraka, on lui a enlevé justement le dribbler plus, on lui a mis dribbler moins souvent. Il faut justement que lui, par contre, qui a des qualités de dribble vraiment pas folles pour la Ligue 1, c'est correct, hein, mais le dribble pur est vraiment faible. Donc on lui a enlevé cette caractéristique-là. On va parler. Est-ce qu'on a fait d'autres changements? Non, je crois qu'on a tout laissé autrement tel que c'était. Ah, voilà. Alors je me posais question là sur le relancer vers le meneur de jeu. Le problème c'est que le meneur de jeu là ici, il a tendance à se mettre là pour récupérer le ballon. Et que ben, du coup il faut qu'il y ait enfin, une passe sur un côté qui se replace et qui est la passe vers lui qui y arrive. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant, par exemple, de passer par un latéral qui lui renvoie tout de suite? Je me pose cette question-là et c'est pas impossible que j'y passe dans le courant de la saison. Parce qu'on a besoin que le ballon la fuse très vite vers l'avant et ce qui, bah, sur les relances du gardien, du coup, ça, c'est pas forcément tout le temps le cas. On a plutôt l'impression d'être sur un jeu de possession là avec la relance du gardien. Donc voilà, ça c'est une petite réflexion à avoir, des petits tests à faire dans le courant de la saison, je pense. Voilà, pour la tactique, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, on voit que cette tactique change très peu. Juste une petite chose amenée par-ci par-là par saison. Je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Les résultats, de toute façon, en attestent les résultats de la saison dernière. En atteste, et puis ben on a un groupe aussi qui peut commencer à montrer ça, même si c'est pas forcément ses meilleures qualités. Il faut des joueurs très très complets et qu'ils sont pas encore dans les joueurs dominants de Ligue 1 en tant que groupe. Je pense qu'on commence à avoir les qualités pour vraiment bien jouer ce jeu-là, donc voilà, c'est très bien, on est content. Au niveau des finances, on est très bien. On a encore un solde de 9 millions, alors forcément ça va baisser hein, là toute la saison. C'est quelque chose en fait maintenant où on est habitué d'avoir vraiment une baisse et puis bah, une remontée. Faudra qu'on ait ça après. Ce qu'il faut, c'est que voilà, à chaque fois sur ce petit temps-là, on soit sur quelque chose d'un petit peu plus haut chaque année si possible pour essayer de monter progressivement. Ça va être ça l'idée là. Et c'est ce qui est un petit peu ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Tout va bien. Avec l'Europe, on devrait gagner un petit peu plus d'argent aussi, je pense. Donc c'est bien. Au niveau des salaires, on est vraiment très bien puisque nos joueurs. Voilà, on voit notre joueur vedette et joueur plus important. C'est des joueurs vraiment que je considère vraiment équivalents, moi, chez moi. J'ai vraiment pas de différence là-dessus. On est vraiment en dessous des tarifs maximum indiqués. Donc au niveau des salaires, on est extrêmement bien.
Il faut garder ce groupe-là dans des standards comme ça à 100 millions, à 100 000, tant que on n'est pas, enfin tant qu'on trouve pas les joueurs qui nous permettent de passer un réel cap au-dessus quoi. Et si on peut trouver les joueurs et conserver cette base de salaire, essayer de pas trop augmenter sur les salaires si possible. Ce qui sera difficile hein, parce que dans les années futures il faudra forcément les faire augmenter ces joueurs-là mais voilà c'est quelque chose de bien qu'on soit là-dessus. La dynamique du groupe est bonne, le club les joueurs au club s'entendent bien, ils se sentent bien, donc il y a vraiment quelque chose de très correct. Quelques joueurs qui sont pas encore installés, mais ça va venir avec le temps, je pense. L'état d'esprit est plutôt bon dans l'ensemble. Quelques joueurs insatisfaits, mais ça va aller. Le code de conduite, les réunions d'équipe. Donc, ok, on a fait le tour là-dessus. La vision du club. On va peut-être parler des résultats d'abord. Ça va suivre sur la. Là-dessus. Les résultats de début de saison sont corrects. Ils sont corrects parce qu'ils seraient bons s'il n'y avait pas eu un vrai faux pas là contre Angers. C'est un match vraiment dégueulasse que m'a fait mon équipe, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. En défense surtout, en défense on a vraiment été minable. On prend que 5 tirs, mais c'est 5 tirs dont 4 cadrés et 4 buts. Donc ça veut dire que Angers a été vraiment très très réaliste, ça c'est une première chose, c'est un fait. Mais à chaque fois, quand je voyais les actions, c'était vraiment des buts évitables, quoi. Donc le premier peut-être pas, mais les autres étaient vraiment évitables. Donc on est vraiment déçu de ce match-là, donc tant qu'on a eu quand même des occasions chez nous. Et que on a dominé le match au niveau des XG quoi. On a eu largement plus d'occasions et on n'a pas réussi à trouver un peu plus la mire. On aurait réussi à remonter à. Enfin, amener un. On était à 1-1 très longtemps, on aurait amené le 2-1, je pense que ça changeait le match. Mais voilà, les joueurs n'y sont pas parvenus, donc on est vraiment très déçu de ce match-là. Après, on a une bonne victoire contre Stade de Brest, un match nul correct contre Lille. Et puis une très belle victoire par contre contre l'AS Monaco en dernier match. Là on a pour le coup on a eu l'effet inverse et qu'on a été dominé en XG, mais on a gagné le match. Parce que nos occasions étaient quand même plus intéressantes que celles de Monaco dans l'ensemble. Donc voilà, là très content de ce match-là par contre. Et d'ailleurs c'est un fait. Les XG, j'ai l'impression qu'il faut y faire attention parce que c'est important. Mais il faut pas rester fermé dessus. Parfois, il vaut mieux laisser l'équipe d'en face s'exprimer, enfin lui laisser certaines choses pour s'exprimer, la laisser dominer le jeu, mais essayer de la prendre en compte avec notre tactique nous permet quand même de rester dangereux. Donc voilà, je pense qu'il faut pas. Trop trop s'inquiéter parce que j'avais souvent cette tendance-là, c'était que quand je voyais des XG de l'équipe d'en face vraiment élevés, la saison dernière encore notamment, et puis les saisons d'avant, j'avais tendance à baisser très très vite ma mentalité d'équipe. Et je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire maintenant. On commence à avoir des joueurs qui peuvent rivaliser avec les gros clubs potentiellement. On est en dessous, il faut pas se leurrer, mais on peut potentiellement se rivaliser avec eux. Donc, je pense qu'il faut qu'on joue un peu plus notre jeu là cette année, même contre les grosses équipes. Du coup, sur la vision des clubs, on y arrive. Le match de Angers a fait que notre président est pas content de notre style de jeu au niveau de la défense, et c'est normal. On a quand même pris 4 buts sur un match, c'est vraiment énorme. Jouer la contre-attaque, par contre, ils sont contents, donc ça c'est très bien. On a marqué quelques buts sur coup de pied arrêté aussi, donc c'est pas impossible que si ça tourne bien là-dessus, l'année prochaine on retrouve cette demande. Néanmoins, j'essaierai de la faire partir vite, parce que on n'a pas les joueurs pour tenir des joueurs de tête qui sont vraiment. Capable de faire la différence tout le temps sur tous les matchs là-dessus. On n'a pas des joueurs vraiment dominants quoi. Même si on a des très bons joueurs de tête, on n'a pas encore les joueurs dominants là-dessus. Et puis
La saison dernière, ça n'a pas tant marché que ça, alors qu'on avait vraiment essayé d'appuyer dessus. Voilà, on va pas. On va essayer de pas trop insister là-dessus. Rester dans les limites du budget, donc ça, on y est. 2 ans minimum pour les contrats des joueurs de l'équipe, donc ça, c'est toujours ce qu'on fait, mais c'est toujours ce qui n'est pas évalué. Ça, je comprends pas. À mon avis, c'est un bug du jeu, tout simplement. Je vois pas autre chose. Ligue Europa être compétitif, donc ça, bah, on verra, on espère, on va essayer. La Ligue 1 en première moitié, on va essayer aussi. Je pense qu'on doit y arriver maintenant. On a quand même un effectif qui s'est encore renforcé, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire étant donné qu'on a fini européen la saison dernière. Coupe de France atteint le 11e tour, donc ça c'est encore la même chose. On va pas se focaliser plus que ça là-dessus. Les résultats ailleurs sont bien plus bénéfiques que ce que pourrait nous rapporter la Coupe de France. Au niveau des infrastructures, on a bien travaillé puisqu'on a notre centre d'entraînement donc qui est bon maintenant, et on a réussi à aller voir les dirigeants et à les faire changer dans la foulée. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs, donc on va l'avoir à un niveau excellent. Là, nos joueurs devraient vraiment progresser très très vite maintenant. C'est de bon augure là pour nos petits jeunes. On a aussi donc des bonnes structures de formation. On a réussi à augmenter aussi tout de suite l'encadrement des jeunes là sur cette saison, qu'on a monté à exceptionnel. On va attendre avant de monter le recrutement des jeunes. Mais voilà, c'est deux choses qu'on peut augmenter. Après, ce qu'on aimerait, c'est réussir à augmenter les structures de formation. Pour l'instant, c'est pas facile. Je me demande s'il ne faudra pas passer par le stade. Que le stade augmente avant toute chose. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse parce que là on voit, là on est à 25 000, je crois qu'on est dans les limites du MMA Arena, hein. 25 000, c'est ça. Il va falloir commencer à penser à ça. 25 000 là, 21 000 ici. Je pense que la saison prochaine ça va être une étape d'essayer de racheter le stade notamment et de l'augmenter en place. La première étape, l'acheter, donc c'est quand même une. Et de l'augmenter en place ensuite. À moins qu'on puisse faire le contraire, mais j'y crois pas trop, ça m'étonnerait. Je crois que c'est pas possible. Je vais voir ça vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. On peut l'acheter et l'augmenter ensuite, mais on pourra pas. Ça va quand même être une somme assez importante. Après, si on fait une bonne saison, il n'y a pas de raison. Par contre, ça changera aussi nos finances, forcément, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut y passer. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Alors, staff, on n'a pas réussi à changer notre. Oui, on n'a pas réussi à changer notre responsable de formation. Il reste toujours le même. On aimerait bien le changer, mais c'est pas évident. Celui qui nous intéresse, en fait. On n'arrive pas à l'avoir, il demande 40 millions, on n'a pas du tout cette somme-là pour aller le chercher. Là, celui-là, il est pas cher, voilà, on va continuer avec celui-là encore. Il peut nous amener des latéraux de qualité, voilà, c'est les latéraux de qualité, c'est ce que j'aimerais avoir un jour dans le club, là, pour le coup, chez nos jeunes. Parce que j'en ai jamais eu du tout du jeu. Alors, c'est très rare, mais j'en ai jamais eu du tout du jeu, et enfin, ça nous changerait forcément. Donc, j'aimerais bien en avoir. Voilà, là pour le coup on a fait le tour. On va se quitter ici. J'espère que cette présentation donc du coup vous aura plu. Et puis ben on se retrouve dans le courant de l'année pour jouer quelques matchs. Ça c'est pratiquement une certitude, je pense. Au moins un et peut-être deux ou trois. Et puis peut-être autrement en décembre pour le bilan de mi-saison s'il y a des choses qui ont été effectuées. Ou pour la fin de saison, pour le bilan de la fin de saison. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon match à tous. Tell me what you
scream.